Le président de l'UDS, Djibril Naïssen Moursal, dans des propos recueillis par John Oji Nestor. Rendons-nous à Massénia, dans le Chari-Baguirmi, où le nouveau préfet du département de Baguirmi a été installé dans ses fonctions par le gouverneur Borchogue Waïtou. On en parle avec Ali Mahamat Bello. Le nouveau préfet du département du Baguirmi, Salahadine Ahmad Youssou, prend officiellement service. Il remplace Roufaou Oumarou. Ce dernier, après avoir passé plus d'un an à la tête de ce département, dresse les bilans. On note également l'organisation à Dubaï d'un forum régional sur la transhumance organisé par le projet PIRC en septembre passé, en vue de remettre à niveau les couloirs de transhumance, les aires de stationnement, dans le but de remédier au conflit agriculteur-éleveur. De son côté, le nouveau préfet s'est dit conscient des défis qui l'attendent. Je souhaite aussi travailler en bien étroite avec les élus, les autorités judiciaires et militaires, comme avec les acteurs socio-économiques et associatifs du département, dans le respect des attributions de chacun, mais toujours dans le sens de l'intérêt général. Le gouverneur de la région appelle les préfets entrants à faire respecter les autorités de l'État. Il convient de vous rappeler que vous êtes chargé d'appliquer la politique du gouvernement sous la responsabilité du gouverneur. Autrement dit, la politique de renaissance pour assurer le développement économique, social et culturel de notre pays, pour le bien-être des Tchadiens en général et de la population de Baguirmi en particulier. Pouvoir en main, les préfets du département de Baguirmi profitent dans la même journée pour installer le nouveau sous-préfet. Adou Moussa Hassan remplace Abdoulaye Adou Mahamat. Dans le même registre, le préfet de l'ANIA dans le Logone oriental a également pris service. On en sait plus avec Kalianga Voudna. Désormais, Hissène Adou Malfidèle est le nouveau préfet du département de l'ANIA Pendé. Il remplace à ce poste Béchir Mahamat Taher qui a passé 18 mois à la tête de ce département. Il a été installé officiellement dans ses fonctions par le gouverneur de la région du Logone oriental, Adam Nouki Charfadine. Le préfet sortant a dans son discours dressé le bilan de ses réalisations. Un bilan qui se résume par l'instauration de l'autorité de l'État, la cohabitation pacifique et la sécurité dans le département. Le préfet entrant Hissène Adoum Ali Al-Fidèle, quant à lui, s'engage à parachever les actions de son prédécesseur. A cet effet, il demande le concours de ses collaborateurs pour mener à bien sa mission. Installant le nouveau préfet de l'ANIA Pendé, le gouverneur de la région du Logone oriental, Adam Nouki Charfadine, lui a demandé de tout mettre en œuvre pour consolider la paix. La paix qui, selon lui, est un vœu cher au chef de l'État Idriss Déby Itno. Monsieur Hissène Adoum Ali Al-Fidèle, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe officiellement aujourd'hui. Vous êtes un averti de la gestion de l'administration du territoire, car vous avez occupé par avant les postes de sous-préfet d'Amtiman, de Kiabé et préfet du département de Mandoul Oriental, du Chari-Baguirmi, de Dagana, dans la région de Hadjar Lamis, poste que vous avez occupé jusqu'à le 5 septembre 2017. Outre ces instructions, Adam Nouki Charfadine demande aussi au nouveau préfet de l'ANIA Pendé de veiller aux dépenses des services publics et à la protection de l'environnement. Tout à fait autre chose à présent pour mieux aborder la rentrée scolaire. Le sous-préfet de Miandoum dans le Logone oriental a eu une séance de travail avec les chefs traditionnels et les représentants des associations des parents d'élèves. C'était une séance de sensibilisation et d'orientation pour avoir une rentrée dans la sérénité. Idriss Omar Idriss. À l'approche de la rentrée scolaire fixée pour le 2 octobre, les autorités civiles et traditionnelles de la sous-préfecture de Miandoum s'activent pour prendre toutes les dispositions. Au cours d'une rencontre tenue aux locaux de l'Assemblée chrétienne du Tchad numéro 1 de la ville de Miandoum, plusieurs sujets ont été évoqués. Les problèmes de la scolarisation des filles, le manque des enseignants qualifiés et le problème de baisse des niveaux. Toutes les parties concernées se sont relayées pour apporter leurs contributions en proposant des suggestions et solutions idoines afin de contenir ces mots qui freinent l'évolution de l'éducation. Pour les sous-préfets, cette rencontre est un succès. Vos soucis sont ceux de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État qui fait de l'éducation des jeunes son cheval de bataille. Très ravi et tout de suite, vous avez
au vu ou à la suite de ce débat, formuler des recommandations. Je vous rassure que ces recommandations seront remises à qui le doit. Outre ces problèmes discutés, les autorités administratives invitent les enseignants et les parents d'élèves de prendre leurs responsabilités afin d'assurer une meilleure éducation aux élèves. La compagnie de sécurité nautique de la région du lac a désormais un poste de police de contrôle pour son inauguration qui donc a lieu hier, 22 septembre. Le secrétaire général du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, Masra Djimadoum, a fait le déplacement. Et c'était donc en présence des autorités locales. Reportage par Eladji. Les îles de la région du lac constituent une porte d'entrée des terroristes. Pour déjouer les modes d'opération de ces personnes sans loi ni foi, le gouvernement tchadien, dans le cadre des raffermissements des relations de coopération avec l'Union européenne, dote cette région d'un instrument performant contribuant à la stabilité de la paix. Ce poste de police de contrôle de la compagnie de sécurité nautique qui émane de la vision de l'ONG Cogenta et financé par l'Union européenne est situé à 4 km de la ville de Bole, comprend 3 bureaux alimentés par un générateur solaire. Le rôle de la compagnie de sécurité nautique est donc multiple. Par son activité au quotidien, elle doit permettre non seulement de sécuriser les biens et les personnes, mais également de contribuer à un retour à la normalité des activités socio-économiques en milieu fluvial et lacustre. Le conseiller chef de la section politique, presse et information de l'Union européenne exhorte la population de la ville de Bole et celle de ses environs à travailler en synergie avec les membres du comité de vigilance, les forces de défense pour préserver leur sécurité. Du côté du secrétaire général du ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration, la réception de ce poste frontalier de sécurité nautique de Bole est un offre de soulagement pour la population en matière d'insécurité. Cette compagnie a pour mission d'assurer la sécurité des frontières et des usagers le long des fleuves, l'Ogone et Chari, ainsi que sur le lac Tchad. Lutter contre l'immigration clandestine, lutter contre l'exploitation illicite du bétail, lutter contre les trafics humains d'armes à feu, braquage en bande organisée, lutter contre les menaces terroristes. Le projet Front Tchad couvre la région du Mayo-Kébi Est, du Chari-Bagrimi, de Hadjalamis, du lac et de N'Djamena. Dans le Wadi Fira, ce sont 40 jeunes qui ont fini leur formation sur les techniques de réparation des antennes paraboliques et en électricité. On en sait plus avec Abdelhadi Mohamed Salih. Initiée par la délégation régionale à l'enseignement et à la jeunesse de Wadi Fira, cette session de formation s'inscrit dans le cycle des travaux de formation du Centre de formation technique et professionnelle de Biltin. 45 jours durant, ces jeunes de Wadi Fira et d'ailleurs ont été outillés en techniques et méthodes d'installation d'antennes paraboliques et électricité bâtiment. Le délégué régional à l'enseignement et à la jeunesse de Wadi Fira, Hissen Ibrahim Abdoulaye, a saisi cette occasion pour lancer un appel au département en charge de la formation professionnelle et de la promotion des métiers de venir en aide au centre de formation de Biltin. Après avoir reçu leurs attestations, les participants se disent satisfaits de la formation.